Ah, c'est déjà l'heure de se réveiller. Là, je crois que maman est déjà partie. Ma chérie, je suis rentrée. Ah, c'est pas trop tôt, maman. Oui, en plus, c'est le grand jour pour toi. C'est quoi déjà le grand jour? Ta nouvelle maison, tu te rappelles pas? Ah bah oui, la nouvelle maison. Et quel chien. Et donc la visite, ça, c'est à quelle heure? C'est à... Attendez, je regarderai dans les horaires. Bon, en attendant, moi je vais prendre mon petit déjeuner. Mais t'es où ce matin? En train de faire les provisions. Ah d'accord. Bon maman, on est parti? Car je suis un peu impatiente. Oui j'arrive. Allez en route. Cette fois-ci, conduis bien, maman, parce que la dernière fois, tu as fait un accident. Et t'as oublié de fermer la porte du garage. Tant pis, de toute façon, la verrissure et les animaux. Ok. Ben, partons à la nouvelle maison. On est bientôt arrivé, maman? Oui, ne t'inquiète pas. T'inquiète, je m'inquiète pas. Et voilà! Oh waouh! Et donc, c'est toi qui as payé cette maison pour moi? Eh oui, ma chérie, ce sera ta nouvelle maison. Oh super! Mais maman? Le seul problème, c'est que j'ai pas de voiture. Ah oui, la voiture! J'avais oublié ça. Ben sinon, tu l'achèteras toi-même. Ok, heureusement que j'ai de l'argent, vu tout le travail que j'avais fait. Tu vas bien t'y plaire. Ça, je sais. Alors, elle te plaît, la maison? Ah ouais, elle est trop jolie, la maison. Ravie qu'elle te plaise. Bon allez, j'ai encore du travail. Tu sais très bien que depuis que ton père est mort, je suis obligée de m'occuper de tout. As-tu besoin d'aide, maman? Non, pas besoin. Merci quand même. Trop sympa cette mère. Ma mère ne m'a pas fait voir le garage. Ah mais c'est ça la voiture. Ah d'accord. En fait elle avait voulu me faire une surprise. Ok. Bah ça tombe bien parce que j'aurais envie d'aller au restaurant. La mère route. Heureusement que le feu est vert. Bon, j'espère que mon patron ne va pas m'engueuler. Ah bah ça tombe bien, il n'est pas là. Allez au travail. Il n'y a pas eu trop de clients aujourd'hui. Il y a peut-être une grève. Ah si, j'en vois. Bonjour, je voudrais un double expresso.
Ah, désolé, monsieur, mais là, on n'est pas dans un café. Ah oui, zut. Vous voulez dire que je voulais un petit coca. Un Coca-Cola? Oui, voilà. Ok, je vous sers ça tout de suite. Et un Coca-Cola, hein? Merci, ça vous fera combien? Je crois que c'est 1 €. Je veux pas dire de bêtises. Je vais quand même regarder. C'est bien ça, c'est 1 €. Ok, je vous les donne tout de suite. Merci, est-ce que le compte est bon? Tout est bon. Et bien, passez une bonne journée. Ok, merci. Il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur? Oui, je viens de perdre mes parents. Il n'y a pas beaucoup de minutes. Ah ouais, vos parents sont morts? Oui, ça fait depuis hier. Ah ouais, ça devrait être un peu chagrinant pour vous? Oui. Et maintenant, je suis tout seul dans ma vie. Mais moi, j'avais commencé à emménager quelque part. Ok. Vous voulez pas habiter avec moi? Ah bon, vous ferez ça pour moi? Bien sûr que oui, je ferai ça. Pourquoi ça vous pose problème? Non, ça me pose pas de problème. Moi, j'accepte. Oui, au moins, ça vous rend pas seul. Bon, ben écoutez, je vais fermer ce restaurant et on va rentrer à la maison. Je vais vous montrer où c'est la maison. Ok. Je prends ma voiture, vous prenez votre voiture? Oui, bien sûr, j'arrive. Bon ben, en route. J'ai laissé un peu la place pour monsieur. Mais il devrait arriver. Je vais attendre ici. Ah ben, voilà. Oui, j'ai été bloqué par les feux. Ouais, mais ces feux-là, c'est chiant. On aurait les enlever. Bon, je vais fermer la porte. Hop là. Alors, elle est jolie la maison? Elle est trop belle! Bon bah écoute, moi je vais un peu me coucher peut-être. La journée que j'ai fait. Piou! Heureusement, sinon j'en ai de congé. Aïe aïe aïe. En plus, j'ai passé une journée un peu nulle hier. Mais bon, aujourd'hui, c'est l'heure de me reposer. Dis, est-ce que je peux te parler? Oui, vas-y. Bon, d'accord. C'est un peu difficile. Mais c'était pour te dire que je t'aime. Ah bon? Ah ben heureusement, moi aussi, je t'aimais depuis tout ce temps. Moi, je voulais pas le... Parce que moi, je savais pas que tu voulais m'aimer. Alors, ben, je te l'ai pas dit. Ouais, moi aussi, moi, je n'osais pas le dire, mais alors j'avais envie de prendre mon courage à deux mains, alors je l'ai dit. Mais tu as bien fait. Alors, est-ce que veux-tu te marier?
laisse-moi réfléchir. Oui, moi je veux bien. Oh, merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Mais c'est quoi cette série dans la télé? Bah quoi? Tu vas me dire que je ne veux pas regarder ce que je veux? Oui, mais quand même, pour moi, j'aime pas trop les films d'horreur. Ouais, bon, et on va pas commencer à se disputer là, mon bébé d'amour. Ouais. Ouais, bon, allez, moi je regardais un peu l'ordinateur. Yes, j'ai réussi à avoir le pass premium dans Brookhaven. C'est trop cool ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jouer à Brookhaven dans Roblox. Et c'est quoi ce jeu de merde? C'est mon jeu préféré. Mais je joue à Fortnite, bordel. Mais je joue à ce que je veux, tu vois. C'est pas toi qui va me le... Tu vas me le demander? Tu joues à Roblox si tu veux, toi tu joues à Fortnite quand tu veux. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça fait une heure qu'il n'est pas rentré là. Bon tant pis, allez, je vais aller dormir. Il faudrait pas que je réveille ma femme. Je peux savoir ce que tu... où tu étais? Hein? Comment tu le sais? Ah, ne fais pas l'innocent. Je sais que tous les soirs tu traînes à... quelque part. Mais je te jure que j'étais nulle part. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, toi. Je te cache rien, je te jure. Ok, bon, bah dormons et on en rappellera demain. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Salut ma chérie, tu vas bien? Ouais, je vais bien. J'étais en train de faire un petit tuto beauté, tout ça. Mais bon, tout va bien, ne t'inquiète pas. Bah écoute, moi ça va bien. Je vais bientôt divorcer avec ma femme, vu que je l'aime pas trop. Ah bon? Ouais, on n'a pas les mêmes points communs. Ouais, bon, allez, on va dans ta voiture. Allez, en route. Non, il n'a pas osé faire ça, ce con. Allez, je vais le suivre. Mais il va où comme ça? Et c'est quoi cette maison? On va déjà le laisser rentrer et on va voir. On va mettre la voiture. Voilà. Bon, tant pis, allez, on va mettre la voiture ici. Et nous allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Ah non, Anna, ils n'auront pas osé de faire ça. Oh mon Dieu!